Loring von Christus, le seigneur du sabbat, le seigneur von sabbat, commence à courir parallèlement avec le septième millénaire de l'existence. De l'ex zal lopen met die 7000 jarige dag van mensens bestaan. Ça veut dire, dat betekent dus, en octobre 1975, in de herfst van 1975, nous serons dans le monde nouveau. Zullen wij in Gods nieuwe wereld staan. Alors que j'étais assoupi, vinrent deux chevaliers érudits. Ils me dirent, eh bien tu viendras le moment. Prends l'issue d'une brochure, réveille-toi, il est temps. Ils m'assommèrent à coups de révélation de la fin du système des choses d'Armageddon, jugeant que le monde était au plus mal et les autres philosophies morales. Pour eux, la bête enragée symbolisait l'ONU, bien qu'ils fussent affiliés. Je me rendais compte avec consternation qu'ils ne connaissaient pas leur religion. Mes frères, en vérité, je vous le dis, la fin du système des choses, c'est promis, est annoncée en 1914. Soyez avertis. Cette bonne nouvelle est à proclamer, car c'est ainsi que vous serez sauvés. Il est temps maintenant de prêcher. Mes frères, veuillez vous calmer. Les rois nous l'ont confirmé. Nos prédictions ont été reportées parce que nos calculs étaient erronés. En 1975, seuls les fidèles seront sauvés. Il est temps maintenant de prêcher. Pourtant, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Des images de bonheur dans lesquelles se cachaient des visages d'effrayeur. Je n'ai jamais le mot de la fin, s'appuyant sur leurs écrits saints, ils condamnaient l'humanité, car eux seuls connaissaient la vérité. Voici donc ces chevaliers de lumière qui s'abreuvent de la misère, certains de vivre l'éternité. Bien-aimés, ne croyez pas à toutes paroles inspirées, mais éprouvez les paroles inspirées pour savoir s'ils viennent de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Prenez garde de vous laisser égarer, car beaucoup viendront à cause de mon nom disant « Moi je suis » et le temps approche, n'allez pas à leur suite. Quant à ce jour-là et à cette heure-là, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. Savent-ils seulement qu'aucun prophète ne retourne à Betsarim? En agissant de la sorte, vous êtes en opposition à l'heure que vous dites représenter. Et de ce fait, vous êtes sous l'emprise de celui que vous nommez Satan. Oui, vous êtes au service de Satan.